takusanu jolof ngeen ko deglu dayete takusanu jolof kuko xamam dotu ko baye ndax kaddu yu fa joge day tax du lu melni ñowanamba takusanu jolof sama gañu daw len deglu ko takusanu jolof kaddu yu fa joge day indi mbecc ci njabot aw lolu na sama gañu ngacce ngalama amin 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 kini sunu de invité comme ni malen ko waxe moy député cheikh oumar sy diko xamni ku xarañ la man dama koy xalé ci politique aussi indina une nouvelle vision de la politique sénégalaise lamu nekké député tamit gis nañ liguey bu mu fa def diko xamni man dama ko naw de par sa bravoure de par sa sincérité et de par sa loyauté parce que lolu tamit beretul ci sunu député yi té day joxe exemple même lu muy xex da fay tek fum koy tek puis débat di délai indi à l'Assemblée nationale di lo xamni man vraiment nawon nako ci comme ni ma nawé won Thierno Bokum ci Assemblée nationale monsieur si ñi ngi lay jaal ki nga xamni mo génn aduna tay di professeur Amidou Dia di ko xamé ni milieu intellectuel bi ñepp xamone nan ko lo ñu mëna wax ci lolu jërëjëf bon mom vraiment nit de homme de culture la won don nekkon ci wétu président de la République di ko jappalé ci ligéyam té xamnañu né tay et mon professeur Amidou Dia Diarra ab taxway bu mu amone ci walu culture nek écrivain ak professeur bu mag yalla may ko tamit xam xam bu ñepp radié ci Sénégal lolu nak la wax ni daanu na ci président de la République mais diko jaal ay ministre ak anando yépp diko jaal sénégalais yépp parce que du mom rek ñak Sénégal mo ñak di ñaan yalla mi nga xamné tay moko joxone ruham te nang war ko yalla ko yalla tabbi aljanna yalla ubbil ko aljannal fi dawsi te di ñaanal nak wa foute yeb wax tay fi bu soxé ko mi sasel tay ñom ñepp pet kenn ko xamne tay près du ñola won entre administration sénégalaise bi ak vraiment population foute yeb mu dédié won bopam ci lepp li nga xamne tay mo doon fexé ba foute jëm kanam amin 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 yalla nangul ñaan yépp ci barke sayidina muhammad sallalahu alayhi wasallam tay monsieur si tay buñ la indi won c'est que au début done bëggoon def ben analyse globale de l'actualité sénégalaise à la politique bi ak li nga xamné xewna bi assemblée nationale bi nañ ko gissé ak problème ki bi waye du fi xaj tay xana dañ koy dog ba benen yoon rek waye monsieur si tay giss nañ ni ñogi en plein procès khalifa sall tay yow lan nga ci giss tay fi mu toll waaw xam nga procès Khalifa Sall c'est un procès bo xamné c'est très compliqué mais tamit lu ñak li ñëpp wax mu am ci moy procès la bo xamné politique amna ci doolé raxna ci parce que li yobu Khalifa Sall ba mu nek ba mu dugg tay fiñ ko téyé ni muy prison ñu ko tek ci walu ay caisse d'avance simu yoro won ñu tumul ko ci néne mom dafa am lo xamné day def ko ci dugg lolu nak mom daf ci bëgg sétal dara mais xamnañu tamit né taxaway bi mu am mo doon bëgg nek candidat pour nek pour présidentiel 2019 et sénégalais yi tamit ñu bëri japp nañu né lolu bokk na ci li nga xamné tay tax nañ ñu daan ko pour mëna wañi dolem pour mëna wala participer té fokk naané le jeu démocratique pour man ci sama xalaat jaruko parce que au-delà du fait que mom mu mëna nek bëgg nek candidat amna sañ parce que tamit président de la République Macky Sall dafa amone bëgg pour mu nek candidat yalla def ko candidat yalla moy fal mais maire de Dakar moy lan moy première ville du Sénégal tay bu ëpp doolé moy ville de Dakar ñu xagn ko maiream bi nga xamné tay waron na am liggéey bu am solo bu mu waron def man duma partisan Khalifa Sall en tant que tel duma bokuma ci li nga xamné tay bokku na ci manko taxu Sénégal mais du lenn lo xamné tay Khalifa demal na mako bamu koy défendre nonou dedet damay wax té yalla tax parce que je pense que fait bu nekké kenen la mo wara tok mu nekk maire de la ville de Dakar mu wara représenter les populations de la ville de Dakar yi nga xamné élire nañ ko yi nga xamné tay jox nañ ko ndom tank ñaari yoon nako ne ñun yoy yañu doy fokk naane amna benen taxaway bu ñu wara mëna am ci mom parce que mom mënon nañ ko baña téyé def ko liberté provisoire mu tok continuer ligéyam ñëpp amna solo ci Dakar gis nañu galankor yi nga xamne tay Dakar amnañ ko en tant que tay mom maire de Dakar mu ñu téw ko ci biir mais en plus de ça damay fatali ko ne Cheikh Chirac du temps mom ak Mitterrand nekkon nañu nga xamne tay ay opposants farouche opposants lañu won mais
dañu doon toog moom mu ñëw bu kenn ñëwee ci dëkk bi doo gis fenn foo xam ne Mitterrand day taxaw te Jacques Chirac taxaw fa. Dëgg la donc c' était un exemple pour wane tey. Le président de la République mi nga xam ne tey palais de la République mu ngi ci biir Dakar moom il est sous la tutelle du maire de la ville. C' est à dire que tey kan même Macron bi ñëwoon dem normalement ba mu wàccee Dakar ñëw dugg dans la ville. Ah dafa mel ni dafa am dog dog. Allo oui voilà exact. Oui en tant que maire waron na ko mëna ñëw jaajeufal ko ci biir dëkk bi bokku ci débat yi parce que mon tamit c'est la ville la plus grande du Sénégal. Lolu lu war la won donc c'est à dire qu'il faut arriver à un moment transcender les intérêts personnels li nga xamne tay mo suñu bëgg bëgg nek par exemple des candidats wala ñu bëgg ñu réunir pour l'intérêt général bi nga xamne tay mo tax population bi tok mo tax ñu togal fi askan bi. Dëgg la ki ñu am benn laaj rek boo xamante ni dañ la ko jagleel mooy est ce que jàppaloo ni kon tey jii nii système politique bu Sénégal dafa manque tey jii nii li ñuy wax wàllum gentleman entre ñi nga xamante ñoom ñoo séq kii bi ñoom ñoo séq langue politique bi. Xam nga gentleman agreement bi gentleman agreement en fait yemul sax ci politique gentleman agreement c' est à dire que c' est un consensus bi nga xam ne tey Sénégalais yi yëpp a koy nangu ne lii am na loo xam ne c' est des traits c' est des barrières yoo xam ne duñ ko dépassé. Am loo xam ne tamit politiciens yi quoi que soit l' adversité lu adversité am seen diggante am na loo xam ne des lignes rouges dañu ne l' intérêt général mooy nekk ci kaw li nga xam ne tey mooy intérêt personnel loolu buñ ko defee donc dëkk bi dinañ ko protéger suñu bopp protéger suñu chef d' état protéger neneen ñu fiy ñëw. Gentleman agreement boobu moo waroon dox suñu diggante ba nga xam ne tey bu pétrole ak gaz amee war nañu xool lépp luy problème personnel teg ko fële ñu ne lii tey moo ñu jiiteel ci li nga xam ne tey pour les générations futures yàlla may ñu ñun ñu teewee ko ñu war ko mën a jiite ñu war a mën a toog ñu ñëpp waxtaan ci pour jëm ci kanam. Gentleman agreement bi moo doon xool tey Sénégal problème éducation bi waxtaan ak kilifa diine yi waxtaan ak ñëpp neneen naka nañu mettre en place un système éducatif boo xam ne dina nekk un système inclusif ñëpp gis ci seen bopp du ay président jóge fële Macron wala ñeneen ñëw di ko mobiliser mais am na loo xam ne yow ci sa biir kër yaa koy tàmmali ba pare ba keneen ku la fa fekk naw la ci mais gentleman agreement boobu ñun dañ ko raté parce que fañ ko raté nag dëgg mooy depuis Léopold Sédar Senghor parce que tey mënuñu comprendre dëkk nga jël dëkk nga dénk ko nit pendant des années pour jiitu mu dëkk bi fay ko ay taxes fay ko ay léppam moom mu ñëw ne léegi pare na carrière am politique pare na carrière am en tant que président de la République mu ne moom day dem dëkki France par exemple muy le cas de Senghor muy le cas de Abdou Diouf muy le cas de Ablaye Wade c' est à dire que gentleman agreement boobu ci suñu président yi ñu jiite foofu la waroon a commencé te waroon nañu am ay chaire dans l' université xale yi war a mën a toog chaque trois mois benn Ablaye Wade ñëw toog ci biir foofu wax ci expérience am politique ak ci jaar-jaaram loolu la ñuy wax la transmission du savoir la transmission bi nga xam ne tey génération future bi dinañ ci jaar ñoom probablement dañ koy def ñoom Bill Clinton dañ koy def ñeneen ak ñeneen dañ koy def mais aussi tey munu boo xoolee ay ñoom Jerry Rawlings Ghana li tax tey mu am doole c' est à dire que les présidents qui sont passés ils sont restés dans leur pays pour accompagner le développement du pays joxe benn image de solidarité boo xam ne génération bi yëpp dañ leen ci naw mais en plus de ça mais xoolal tey li xew fële ci avec Mugabe dafa dem ba nga xam ne tey dañëpp ko wàccee bëgg mu jóge fa mais qu' est ce qu' il a fait lan la ñu décidé ñoom dinañ ko bàyyi mais bañ ko bàyyee dañu ne na toog ci biir dëkk bi man dama ne ne loolu c' est un acte très fort qui va aider le pays dans l' avenir mu mën a stabiliser wu mooy lan dañu ne na toog ñu téye ko fi parce que c' est une figure emblématique de la libération de seen dëkk loolu sax consolide le pays ça permet à un pays d' avoir une génération qui se reflète parce que jeune yi bañ leen laajee le cas de Mugabe dañ ne ñun Mugabe suñu papa la suñu maam la duñu nangu mu génn dëkk bi et ça c' est un acte très fort ñun waruñu mën a nangu tey que Macky Sall wala Ablaye Wade wala keneen war a mën a dëkk ay France parce que loolu buñ leen di décoré duñ leen décoré en tant que président de la République du Sénégal dañ leen di décoré comme s'ils étaient des représentants de la colonie d'une colonie française alors que ça dépassé nañ ko waratuñu war a mën a nangu loolu dañu war a toog suñu dëkk ñu téye leen Macron bu ñëwee fii ñëwul ndax dafa bëgg Sénégal ndax Sénégal dañuy làkk français dafay ñëw parce que il défend les intérêts l' économie
le savoir-faire, l'avenir de la France. C'est dans cette position et surtout sur cette posture-là, nous devons être unis en tant que dirigeants pour savoir si nous devons ñene ñu ëppalu ñu dara loolul am ful ak fayda bëgg di jëk seen dëkk yi dem kanam wax ko légui da nga wax ci ak Macron da nga wax légui ci Macron may wax ni la monsieur Cheikh Oumar yow visu de Macron bi bari nay ciow amna ñu yow da nga bok ci kilifa diiné yi mën na wax amna ñu kilifa diiné yu tok daal ni Rihanna warul won ñew Sénégal dañ koy bañ légui ñi commencé wax affaireu di bañ ñew Macron bi yow ban analyse nga ci def xam man damay dissocier deux choses. Tu sais, Rihanna, elle a été prise, recrutée en tant qu'ambassadrice pour l'éducation. Mm-hmm. Il faut faire attention. C'est pas Rihanna en tant que show business. Vous savez, il y a des gens qui ont fait. Il y a des gens qui ont fait au niveau international. C'est le forum qui a fait. Il y a des gens qui ont fait. Peut-être que des gens par rapport à la génération. Vous savez, la génération est là. Il faut suivre là. Bien sûr. Exact. Je veux que tu aies fait. Je ne veux pas entendre Wali Sek. Mais de nga bëgg nga bañ ko tu admets que Wali Sek a une branche de la population bo xamné tay bu néré teug day fessel stade mëno ci dara lool passe la Youssou Ndour c'est la même chose yenen c'est des artistes yo xamné tay amna ño xamné tay dem sétani len mo len gëna monal gënal fukki yon dem sétani Macky Sall wala Ablaye Wade wala kenen mën lo len gënné donc c'est ça c'est des aspects de la communication tay bu ko kilifa gë diiné tamit bëgg téré mu ñëw il faut que mu am dalil bo xamné woné nako mom ci bopam Rihanna bu fi ñëw né loolu la fi def ba nga xamné ñom jaral na ñu ni ki waru fi ñëw c'est vrai que image bu muy indi c'est de la culture américaine c'est mom loolu lay dund moy culture am nonu lañu maggé nonu lañu yaraw nonu lañu xam loolu fofu lañu jaar donc elle véhicule ce qu'elle sait elle mais bo xolé ba mu waccé bu mu ñëwé Sénégal xolal accoutrement bi mu am ça veut dire que les gens lui ont averti que c'est un pays à 90% de musulmans yi ngay def na lé ni soumay ko di def ni di def na la di woné say cieur lolou mënoko fa def elle n'a eu aucun comportement bo xamné tay mën na woné lén lo xamné c'était indécent par rapport à sa stature de star international exactement donc ça c'est une chose deuxièmement la venue de Macron c'est un président de la République on a eu la visite de tous les présidents de la République de la France ça c'est pas un problème le problème c'est le contenu et la manière et la stratégie. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, le système éducatif, bien comme nous voulons promouvoir, est-ce qu'on a fait l'analyse pour dire que est-ce que ça, ce système-là, a été un échec? Nos jeunes sortent des universités et n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Lolu mo am solo. Est-ce que le contenu bien am depuis les années 60, est-ce qu'il c'est, il est adapté aux réalités du PS, aux réalités économiques bien comme nous voulons promouvoir? Tay man bo mané investir ci dara dama lay né prend la ben partie bi ngay def ci enseignement supérieur def ko ci formation professionnelle parce que li ngay xamné tay moy plan Sénégal émergent li ñu bëgg en fait c'est la promotion professionnelle rek moko indi c'est pourquoi buñu amul formation professionnelle bi lan lay indi on va aller chercher des Marocains on va aller chercher des Turcs on va aller chercher des Chinois parce que eux ils ont la formation professionnelle que nous les jeunes n'ont pas encore. Bo len togué ci bam bi di len jangal pour ñu am ay doctorat ak affaire yu genn ay nek ay avocat ay nek ay affaire yu mais du ñoy tabax kër di koy tabax les centres Abdou Diouf c'est la formation professionnelle ñoko jaar pour tabax ko c'est des architectes bo xalé tay tout ce qui est irrigation plan Sénégal émergent avec le PUDC ak affaire yu c'est de la formation professionnelle c'est pas de la théorie c'est pas de si donc il y a toute une composante sociale bi nga xamné tay buñ ko bëggé tay mu développer le plan Sénégal émergent c'est la formation professionnelle qui est la partie la plus importante pour porter ce combat là le contenu il est important parce que néna dem qui éduque qui et pourquoi bu nekké tay ñom Macron dina ñoñu jangal ñoy taxaw pour suñu éducation mais ils ont des objectifs derrière le contenu bi nga xamné tay dinañu yag fexé lepp luñuy jang day dem ci sens bi ñu bëgg ñom dëgg la lolu dina am impact ci nga xamné c'est la génération future qui doit conduire la destinée de notre pays. Et nous, on est arrivé dans une génération de transition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette génération dans laquelle nous sommes en train de vivre, elle est en posture de dire non à la France et à d'autres pays pour avoir sa propre identité. Parce que nous sommes tous les gens qui ont fait. Nous sommes tous les gens qui ont fait. Mais l'un des gens qui ont fait, c'est la technologie. Mais nous sommes tous les gens technologie et organisation et planification. C'est ce que je veux dire, c'est que bon, faut mobiliser des gens au plus international, nous les éducation, ce système éducatif d'un côté. Mais, vous nous voyez le taux de corruption,
xolaat le taux d'investissement yi ñi def ci yenn secteur yo xamné ce ne sont pas des secteurs prioritaires comme le ministère de la jeunesse wala le ministère de la femme. Ñu jël xaliss bobu né dañ ko investir dans l'éducation et la formation professionnelle, mais tu vas faire un bond en avant bo xamné. Jafé jafé yu ndaw rek ci walum ligne bi wa mu melni tikkat na Cheikh Oumar ñu ngi lay déglu. Allô. Say affaire yi appel yi day dugg ma wuli ci dugg. Allô waaw ñu ngi lay déglu. Ma am question bu ma la wara poser fofu nonu rek. Gis nañ ni éducation bokku na ci secteur yi nga xamanteni mo ëpp ay jafé jafé ci réewu Sénégal. Ñu wara amal sommet mondial ci éducation. Est-ce que laata ñuy amal sommet bob non doon jaadu ñu amal bennam ndaje lu ci demeni ay assises ci éducation bi boole acteurs yépp dajé leen ñu xam lan moy seen jafé jafé pour bu ko défé bu ñu duggé ci sommet bi ñu xam nan lañ ci discuter. Tu sais mo melni kon jafé jafé yu ndaw rek lañ am ci walum ligne bi ñi di xaarandiko rek mu dikkat wala Cheikh Oumar dikkat na bismillah. Allô mané sommet le plus important, c'est pas, ce ne sont pas les sommets. Aujourd'hui, on a lancé un processus pour dire qu'on veut avoir un dialogue national. On a voulu faire du dialogue un dialogue politique, c'est-à-dire qu'on parle des élections. C'est bon, parce que l'indice le plus important aujourd'hui dans les pays, avant d'investir d'abord, c'est de voir si les élections sont visibles, transparentes dans un pays. Mais le dialogue, nous l'y avons. Le dialogue national doit intégrer tous les composants, y compris l'aspect éducation, santé et l'investissement des ressources naturelles l'union am tay yoy yep dañ ko wara intégrer tok au niveau national waxtane ko ba paré wala ñukoy jëm di wuti ay sommet international parce que lo xamné yow togo ak sa biir kër waxtane ba né ni la bëgg té suma kër quartier bi ni la wara mëna démé waro mëna né né sur le plan national li la bëgg def comme développement il faut à partir du du microscope bi nga dëkk ba paré jëm ci kaw l'éducation aujourd'hui ne peut pas être réglé à travers la mobilisation des ressources au niveau international. On a un problème interne d'éducation. On a un flux mi nga xamné tay xalé yi ñu ñuy juddok ñu ñuy duggé ci biir école mo ëpp doolé ressources yi nga xamné tay état bi amna ko. Dëgg la. Et orientation bi éducation bi jëm mënul prendre en charge les jeunes buñu paré cette éducation parce que éducation mo c'est obsolète tant que nous on n'admet pas que l'éducation système éducation mi am est obsolète il ne répond plus à nos besoins. Il y aura toujours des difficultés pour régler le problème. Il faut que amfort taw ngene li mënutul am mënutul c'est un mur mo nek suñu kan mënu ci dem. C'est-à-dire que retournons en arrière. Revoyons le système à la base. Ñu intégrer yeneen composantes, revoir le curriculum à la base. Baña top tuba bi c'est un système éducatif. La base mënu ñu am ay baccalauréat yu ñu accepter ñom, mais revoir par rapport à nos objectifs de développement au niveau local. Dëkk bo gis dafa commencé par développement Chine ba muy défar affaire am dafa xol al au plan interne lu mu wara régler ba paré Rwanda bi barki dem il a réglé d'abord ses problèmes internes voilà muy dem sur le plan international. Exact. Inde c'est la même chose, yenen deuk yi c'est la même chose, c'est-à-dire que le système éducatif doit répondre à une demande interne bala muy dem sur une demande internationale. Alors mëno dem daw di indi ay Macron ak ñeneen ñu lay né dañu lu mobiliser ay ressources buñ la ko duggalé ci ce système éducatif ça ne réglera absolument rien du tout. C'est ça. C'est vrai que état bi mu ngi def ay djégu ñuy def ay planification avec des cartes universitaires yu baisse ay ino yu baisse, il faut reconnaître il y a des investissements énormes que l'état est en train de faire, mais jusqu'à présent il y a l'éducation de base qui n'est pas être réglée. C'est-à-dire que l'ingé éducation de base moy lan xalé bo ba muy dugg CI di commencé ngay néni ki ban objectif la ko wara orienter dans d'ici ba muy paré carrièream dans 20 ans jangam dans 20 ans pour mu intégrer dans la dynamique de développement social. Il faut nga am vision bi ko li muy nara génni pour nek mom nga wara tabax ci ba muy ndaw mais mëno xaar ba mu dem ba am bakam nga commencé diko tabaxal une orientation. C'est ça comme l'état, parce que l'état c'est 25 ans d'investissement. Exact. Tu compares les 25 ans de contrat aux 25 ans d'investissement dans l'éducation d'un enfant. Nga wara mëna xamné né tay ki warna ko tégal ay djégo yo xamné bu génné amna chance dem liggéey. Dëgg la, dëgg la. Bala nga jaagané xam li xew sa biir kër, loolu la wolof di wax. Cheikh Oumar xam na ni fim toll ni da nga nekk ci yoon. Waaw mën naa leen may yeneen 10 minutes bu nekk. Dëgg la. Jiwul après mën naa. Ismaïla. Exactement, fi mu waxé nonou rek mom dafa melni kon li nga xamanteni mom moy bageu système éducatif bu Sénégal mom la japp ni kon mom lañu wara sétat.
effectivement, parce que le problème, c'est là, là. Pour l'Université de Dakar, combien d'étudiants en gamme? Il y a plus de 100 000 étudiants, 100 000 étudiants quand même. C'est énorme pour la prise en charge. C'est pas possible. L'État a ses limites, on n'est pas un pays extrêmement riche. Les pays riches, ils ne subventionnent pas les bourses. C'est les meilleurs les subventionnés. Je pars aux États-Unis qui est pris en charge, de prendre en charge avec un système de crédit étudiant. Je pars en France, même si on a le couvrir. Il y a une partie où on sait le bon en charge. Tu payes la plupart des universités les gens acceptent de payer. Donc tu pars dans beaucoup de pays du monde. Bon, mais Canada, ils ont un système social assez avancé. Mais tu payes, l'éducation a un coût. Quand tu sors, tu es parmi les meilleurs à l'avant. Mais si aujourd'hui l'éducation en même supérieure devient une éducation sociale, un enseignement supérieur social, mais tu n'auras que des remous sociaux. C'est-à-dire que tu as absorbé étudiants qui n'ont que 30 000 francs, 65 000 francs, étant donné que tes ressources de l'État ne peuvent pas mobiliser à chaque fois cette somme-là, c'est énorme. Beaucoup d'éducation. Donc, tu as mené d'investir dans les infrastructures alors que tu dois mobiliser des ressources pour faire étudier à faire une. On a chaque jour une grève. C'est pas possible. Une grève pareil après une guerre à un diplôme, ils te disent que ils font un mal indiqué, ils n'arrivent même pas à écrire un CV. Maintenant ils sont obligés d'aller se reformer ailleurs pour mener du coup tu bien système de travail. Voilà une top carrière là man quand on a besoin mais faut nous faire de l'amélioré. Quel est l'objectif qu'on veut faire avec Diam Niadio? Quel est l'objectif qu'on veut faire avec les zones économiques spéciales? Quels sont les objectifs d'orientation avec le nouvel aéroport? Nakalin ko meuna fexé ba tay toute une composante touristique meuna naître à partir des événements religieux des am Sénégal. C'est une réflexion globale, c'est pas une réflexion seulement limitée à l'éducation, c'est un objectif global. Nga xamné dañ ko wara tok ko ba mu ñor au niveau national. Voilà, nous avons porté des gens de Kébi, alors que les gens de Kébi ne sont pas de deugul cheikh oumar man bu ko na ñew tamit parce que amna lo wax ci dialogue bi né en dehors du dialogue politique dañ ko wara élargir lolu di lu am solo mais est-ce que da nga xalat ni war nañ génné ben genre conférence nationale bo xamni sur plusieurs thèmes éducation ak bolé ci xola bolé ci xawma religieux yi d'un côté bolé ci les notables d'un autre voilà les acteurs culturels comment ça peut se faire ça ben xam nga tay on l'a fait xam nga tay lan lañu wara mëna dépasser suñu ego personnel lila bin lila est top. On a fait les assises nationales et les assises nationales avaient sur chaque point am lu mu guéné comme recommandation. Ce n'est pas une bible hein, ce sont des recommandations. Mën nga ko appliquer mu dem comme mën nga ko appliquer mu baña dem. Président de la République est venu avec le yonu yekuté. Il a vu que yonu yekuté avait des manquements, il l'a viré immédiatement. Il faut reconnaître aussi l'état d'esprit du président d'avoir anticipé sur certaines choses en se rendant compte que man lama xalaton avant may nek président ak lama xalat lama gis buma nek président c'est différent. Il est parti vers le plan Sénégal émergent. Maintenant le consensus national c'est quoi? Le consensus national c'est de prendre les assises nationales, prendre le plan Sénégal émergent, xolene comparer len analyser len tirer la substance bi nga xamné tay doxna ci le plan Sénégal émergent doxna ci les assises nationales ngene li tay mom lañu def l'ossature bi nga xamné tay fi la ci dëkk bi wara sukkundiko pour dem bu boba toutes les composantes de la société dañ ci bok les religieux tay ils sont dans une dynamique d'entrepreneuriat parce que keur diiné bo dem amnañu tol amnañu ay talibé yu leen di bayal amnañu ay troupeaux amnañu tay ñu ngi jaay ay gerté ñu ngi def ay commercialisation du riz. Tu ne peux pas ne pas parler de leur économie et de les intégrer dans une économie plus large. Parce que là, si tu veux une autosuffisance alimentaire, il faut passer nécessairement par les DARA qui emploient beaucoup de jeunes. Ces jeunes-là peuvent être formés pour être des agriculteurs et développer l'agro-business. L'eau, c'est une discussion à faire. Les ressources minérales, nous avons pétrole et gaz. Il faudra discuter. Est-ce que le pétrole, bien sûr, offshore, là, dans quoi il est géré? Est-ce que compagnie qui exploite? Est-ce que une compagnie d'ouvrage, c'est un tanker, un bateau, yo beaucoup directement vers la France, qui est un truc que nous allons raffiner? Ou on devrait avoir une raffinerie à Saint-Louis, ouvrir le couloir de Saint-Louis vers Port-d'Or, investir sur des infrastructures ferroviaires. Tay bu nekké tay def nañu ay pipeline ñu wacc Saint-Louis wala ñu wacc côté Kayar tay fu mu né ni da ngay raffiner pétrole bi fi ubbi tout le couloir économique vers le Mali vers la Côte d'Ivoire vers les autres pays di len distribuer en gaz et en pétrole avant ñu la koy raffiner Europe ba paré di la ko jaayat fi
quelle est la valeur ajoutée de tout l'entrepreneuriat qui va être créé pendant les années à venir dans le secteur du pétrole. Et Lucas, tu dois en discuter. À partir de ce moment, tu dois analyser. Aujourd'hui, que je suis un pays pétrolier et gazier, quelle est la dynamique d'éducation que je sais que je dois asseoir pour me résorber ce gap que je sais que je dois avant. Et comme quel type de budget là, je dois installer pour ne pas entrer dans des budgets yo xamné dañ koy asseoir ci pétrole bu yégué bu daano man sama économie daano. Tay le couloir le plus important de développement économique c'est entre le Fouta le nord et la Casamance au nord, parce que ce sont des viviers yo xamné am nga ci lu bëdd feulé, amna ciép fi, amna horticulture, amna lepp. Mais lolu tu ne peux le faire qu'à travers un consensus et une conférence nationale. Macky Sall va être epsilon dans ce débat-là. Cheikh Oumar Sy va être epsilon dans ce débat-là. Tous les acteurs politiques vont être epsilon parce que c'est l'intérêt général de la nation. Ñu xarandiko rek mu dikkat xamna bu mu jokk gi momay jafé jafé ñu dal likoy tewlat mu continuer. Cheikh Oumar ci gis exact moy religieux dañ ci wara jouer un rôle. Les politiques dañ ci wara jouer un rôle, les acteurs économiques dañ ci wara jouer un rôle. Mais bo boba patch bu nek dañuy xol naka lañ koy articuler bo mu am sens. Mënuñu continuer di piloter dëkk bi comme niñu dawalé auto au Sénégal tay. Car rapide bi génné feulé gauche, néla mo tay taxi man bi ñeu dépassé la, coupe fi jall taxaw jël client néla mo tay, ki joggé feulé ñeu suba mu am ben travaux gas tali bi néla da ngay jadd par la force té amu ci ben droit nga am kele ku jog feulé tawax ben kërëm ci digu presque ci kaw tali bi ba paré néla mom disitu kër gi parce que dafa bëgg yone yok ben salam gëna yaatu. Non, il faudra éduquer la population. Donc, aller vers un sens. Le fondement, avant, on était parlementaire. Il faut régler le problème de l'exécutif, régler le problème de législatif, régler le problème du judiciaire. En effet, je me suis revu, il n'y a qu'une seule chose qu'il faut régler au Sénégal, c'est la justice. Si on renforce la justice, toutes les autres composantes de la société vont venir s'agripper à une justice qui est juste et équitable. C'est-à-dire une justice qui peut aussi bien tenir tête à l'exécutif, mais accompagner le Parlement dans le vote des lois. Si on ne sait pas ce qu'il y a dans la justice, ces juges-là, ces magistrats sont indépendants. Parce que lolu moy rassurer les investisseurs, mais lolu moy rassurer les populations, mais deug bi amna yoon te yoon justice rek moko yor, c'est pas l'état moko yor, c'est la justice qui doit être renforcée et libérée du joug de l'exécutif. Voilà, man amona ben question rek bu mo la beug poser wat moy concernant li nga xamanti mo nek carte électeur et carte nationale d'identité. Ma ngi gis ay xibar ci semaine bi que ni amna ño xamanti jot nañ seni carte d'identité amul carte électeur. Est-ce que tay yeen ñi nek Sénégal fofu non ndax affaire carte électeur ak carte d'identité distribution bi ban jangat ngeen ci am wa mais lolu ça pose un problème depuis le début buñ nekké au parlement waxuma mais les députés même de la majorité ont posé ce débat là. Les députés de la majorité ont attiré les xam nga man mën na né je suis dans la majorité mais amna sama position bop ñepp xamul nañ opposition bi mais meuna cede tamine amna ay députés de la majorité, ils étaient très sceptiques par rapport à cette politique de carte d'identité et on a vu les conséquences pendant les législatives. Le pire encore aujourd'hui tay man bu nekk Cheikh Omar ma dox ci biir deuk bi bu policier arrêté ma laaj ma sama carte d'identité man ko yoruma carte d'identité, est-ce qu'il a le droit de m'amener en prison? Je suis apatride dans mon propre pays, c'est-à-dire que sama pays sama deuk mom ci bopam mom ma rendre illégal parce que la carte d'identité c'est le premier droit du citoyen. Waxuma sax carte de vote bi, mais la carte d'identité c'est un droit fondamental pour le citoyen. Da nga wara juddou am sa at yi ngay am ñu la yow jëbël nañ la sa carte d'identité. Waru ñu tok di extendre ay carte d'identité yu jeex depuis plus de 2 ans parce que l'état a failli à son rôle de régulateur social, de régulateur dans le cadre administratif. Kenn tay police warul taxaw ba ramasser kenn dans la rue. Pas des étrangers ou l'affaire, mais Sénégalais, vous êtes nous savons qui est Sénégalais. Vous gagnez une ancienne carte d'identité. Voilà, vous avez un moment, Cheikh Oumar Latou. Vous voulez que je vous arrête, donc vous avez un droit parce que vous, en tant que policier, ministre de l'Intérieur, vous êtes le ministère de l'Intérieur ne m'a pas donné ma carte d'identité. Si vous avez un moment, arrêtez-moi de m'identifier. Mais c'est ça, c'est ça.
Exactement. Tu ne peux pas être dans un pays où la moitié de la... une décision purement politique. Le ministère de l'Intérieur, y compris à sa tête, le président de la République, doit immédiatement faire en tout, bala, fin d'année, tous les Sénégalais qui ont droit à une carte d'identité, voire mener de cette carte d'identité. Il y a, voire ça, une extension dans cette carte d'identité. Mais le devoir de ça en tant qu'État. Par l'émergence, vous parlez, vous avez amené à son écart, vous avez amené tout qui dans la sous-région. Il y a une carte d'identité, vous avez une carte d'identité, une compagnie. Il y a une carte d'identité, on ne peut pas vous faire. Permettre de voler dans un avion où vous avez une carte d'identité périmée. Exactement. En tout cas, di wax rek ne ñongi won ak député bi koku di Cheikh Omar Sy, le député Cheikh Omar Sy, voilà, bes du ñak, nga xamni dafa nekkon tay ci yoon sax waye mu jël ñu comme ça ñu mëna waxtaan ak mom. Moy nuru tamit nuru saw depuis Allemagne, néna mi ngi nuyo depuis Allemagne, Ramatoulaye Bousso, qui ngone de la Noy aussi néna mi ngi nan bonjour. Donc auditeurs yi de toutes les de tout horizon, France, Allemagne, Espagne, États-Unis, ñepp ngi ñuy suivre Cheikh Omar, légui lan ngay tagato parce que fakk ñu defaat benen émission bo xamni yow fakk ñu inviter le parce que li ngay wax dafa am solo et c'est très réfléchi, c'est des analyses très pointues yo xamni bëggoon na ñu ñëw ci plusieurs points préparer émission bi vraiment inshallah comme ça ba nga xamé ni di lañ ci mëna wax lu bare pendant une heure de temps inshallah lan nga ñuy tagato li may tagato rek moy il faut que les gens soient positifs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas entrer dans une dynamique pessimiste. Oui, mani être positif, qu'est-ce que ça signifie concrètement? C'est-à-dire que nous, la génération qui vient là, nous devons prendre en charge, nous devons apporter les transformations socio-économiques qui nous sont là. Lorsque nous devons rectifier le tir de nos dirigeants, et nous devons accepter que nos dirigeants donnent tous les marchés à des Français, à des Turcs, à des Marocains, sous le prétexte qu'ils ont de l'expérience. L'expérience, c'est-à-dire que ça s'acquiert avec le temps. Et dans les judou, nous avons dans les nuits, nous avons le banga djang, banga ham, banga ham de judou dans le secteur professionnel, banga ham. Mais pour même un certain nombre d'années, il a de l'expérience. Donc judou règne dans les qui a une expérience. Donc il faut accepter d'accompagner les PME, PMI au Sénégal. Bah les nuits de ces nuits erreurs, rectifier les accompagner au lieu de donner des marchés à des gens qui ont des nuits. Le nuit ham dans les nuits où vous êtes. Nuit talk fini, nuit ramener tout mouranké. Les Sénégalais de la diaspora sont des acteurs importants dans le développement économique et social de ce pays-là. Il faudra que nous nous réfléchir sur la mobilisation de nos ressources à partir de la diaspora. Nous savons que nous devons nous apporter la France et nous sommes les premiers acteurs pour nous accompagner pour le développement économique de ce pays. Il faut que nous devons nous accompagner dans ce pays. Ce que je veux dire, le Sénégal est dans une position de transition importante. Il faut que nous mëna taxaw tak suñu dëgn nek des patriotes. Yalla may nañu ay kilifa diiné yo xamné amul fën ci aduna. Tay Sénégal kër diiné bo dem mën nga fa tok fëgg sa dëgn né fi la bok. Lu Sénégal rek la am nañ fi jamm. Lenn rek moñu bolé moñu tékkalé moy lay position politique. Lolu c'est position politique là. Il faudra que nos politiciens deviennent des patriotes. Né xamné ñom lépp luñuy wax, lépp luñuy def, lépp luñuy bind suuf siñuy joxé warna nek ci lén lo xamné dafa wara yobbu dëkk bi kanam té wañu war ci bañu def ben louwël sank doomu adam yi sank sen bop parce que sank sen bop moy lan moy mën nañ ci ñom am ay milliards tay am ci ay luñ ci tabaxé kër am ay auto yu rafet té buñu paré ñom ak yalla ak askan wi dinañ ko jakkando ñu xamné li ñi def ni def nañ ko té yalla bam leen di jox position bop daf leen né sambal leen alalu jamuri
qu'on fasse les lycées et poches. Lourou l'en rouhan, mais aussi que la population soit consciente. Arrêtez de penser que tout va venir à partir des politiciens ou tout va venir à travers du social. Non, c'est l'entrepreneuriat, un full ak fayda, dem xol toutes les composantes en termes de développement économique, secteur par secteur, nous investir ko parce que yalla meun nañu may ñu nek le vecteur de développement de la sous-région. Lolu la gëm, lolu la gis, lolu la xam. Yalla nak may ñu jamm ba suñu président yi buñu paré, buñu démati bitim réew, ñu tok suñu biir dëkk, accompagner jeunesse bi, accompagner génération bi parce que amul ben kilifa diiné bo xamné tay yalla may na la daraja ba nga genn nga paré da ngay dem ay extérieur non fi ngay tok fi ngay ñom tamit ñu am fulla ak fayda buñu paré sen mission quel que soit les erreurs qu'ils ont fait amna yo xamné mën nañ leen ko bal ñu mëna tok ñu Abdoulaye Wade ñu Macky Sall ñu Abdou Diouf ñu tok suñu biir dëkk bi parce que ñun suñu taxi mo leen dox lu ñu nekk mo leen jox daraja bi ñam motax ñu jité suñu rew loolu la am bu may wax ci auditeur yi xamna bu sobe yalla bu benen yone yaata waxtan bu gene guddou dina ci joxe yenen element de réflexion ci sama xalaat bu bok jere jeuf cheikhou omar si man de nawna la ci say waxine ci say jeufine ak ay say xalaat ndax te kat damay sam tak jour di joxe exemple ci ñi nga xamni ño ngank réew mi ñi ngi ci dox ku ci nekk sa wall ku ci nekk li ngi ci def nak machallah yal na bari ay nit ci pom politique yi xalaté ni ngay xalaté ak di am démarche yoy té bañi de bañi di fété wo rek ngir fété wo politique politicien bi fakk na mo ñu sonal dafa doy kon nak nañ ci jema am un renouvellement politique renouvellement non seulement générationnel mais d'idées et de comportement lolu dafa bax ci askan ndax té kat mu lool rek ñu mëna jëmé kanam mo melni kon cheikh oumar dem nañu koy sante bu baakha bax diko jaajeuf rek ci jappandi gi nam sax amul won jotté ji ndax mu ngi warona dem fekk ji levé du corps bu ki di professeur amidou job bi nga xamanteni mo wuy ji boromam waye nak mu dal di ñew bokk ak ñun ndajami ñu ko ci sante bu baakha bax diko ci jaajeufal ay wala ghalimala ghalimala dafar ba bu baax aj ba bu kawé madam khalima boye combo jidugi yene ngi de waye xam la li ngay reelu mo yatama jalla ñu wax na sap 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 de nga japp radio point com kalima yoy lañu wax amadou bamba bi tey nguna khalima la rang bi dafa ser rang bi ta ser sunu tise bëgg la notice la man fofu nga maye wama metti bo ko dug ci net bi di nga fecc mbalaka sa ko li sedd sama jigeen ghalimala